Bonjour. Je fais pas d'idéologie politique. Je suis patriotique parce que je suis français. Mais je pense que la montée de l'extrême droite et le populisme, c'est ce régime de technocratie bananière qui donne l'impulsion. Personnellement, moi, mon histoire personnelle. Honnêtement, quand vous savez que moi j'ai travaillé toute ma vie, que je travaille très dur, que je suis quelqu'un de droit, moi j'ai fait des conneries comme tous les jeunes, hein. Dans ma vie, tout le monde a fait des conneries. Tout le monde a droit à une seconde chance, mais moi on m'a pas laissé de seconde chance. Moi on m'a comment dire, persécuté. Parce que je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un qui rend service, je suis quelqu'un qui est vrai. Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de vrai. Olivier Justice, quelqu'un de vrai. Et pour ça, que ça dérange, donc que j'ai fait des choses bien dans ma vie et ça dérange que je fasse des choses bien. Mais il faut savoir par qui les personnes. Moi. Voilà, donc voilà, vous regardez ma vie, vous regardez d'où ça vient. Et derrière, ceux qui sont derrière, d'assistanat, de ces machins sociaux, de compagnie, il y a tout un système derrière. Hein, donc, enfin, et c'est partout pareil. Hein, les gens qui travaillent, qui machinent, compagnie, eux, ils prennent des coups de bâton, ils doivent prendre des coups de bâton. Et les autres qui profitent du système, qui machinent, eux, on ne doit rien leur faire, on doit tout leur porter, tout rôti dans leur vie. Enfin, bref, c'est dans le système qu'on vit. Moi, je trouve que, d'abord, la France aux travailleurs, la France, ceux qui valorisent la richesse de la France, qui valorisent l'économie, qui valorisent les entreprises, qui valorisent tout. D'abord, c'est à eux la France. C'est pas ceux qui vivent, au crochet de la société ou qui profite du système, ou machin compagnie. Fait, moi, je vois les choses comme ça. Hein. La chance, tout le monde peut avoir la chance dans la vie. Même ceux qui n'ont pas de chance, ils peuvent la créer, leur propre chance, changer leur propre destin. Tout le monde a le droit d'avoir la chance en France. Mais bon, il ne faut pas vivre dans un système où tout tombe au rôti parce que vous avez le système social qui commence à. Moi, je trouve que moi j'étais éduqué au travail, hein, toujours. Hein. Depuis l'âge de 16 ans, je travaille, moi. Moi, jamais fait de cadeau. Moi, j'ai toujours travaillé de force, j'ai fait toujours travailler d'esclave. On m'a jamais fait de cadeau dans la vie. Donc, je sais pas pourquoi d'autres leur feraient des cadeaux. Donc, il faut voir les choses comme elles sont vraies. Hein. Je sais pas pourquoi une partie de la population. Auraient des avantages, et puis d'autres n'ont pas d'avantages, parce que. Mais moi, je suis français, de souche, et j'ai aucun avantage, aucun machin, rien du tout. Moi, on m'a jamais fait de cadeau dans ma vie. J'ai rien eu, moi, dans ma vie. Tout ce que j'ai eu, c'est moi qui me le suis payé, et mon argent, et mon travail, et ma sueur, de mon front. Moi, on m'a jamais fait de cadeau, voilà, donc. Ça, c'est la France. La France. Il y a deux France, il y a deux France. Celle des travailleurs, celle qui travaille, qui est très dur, celle qui sue, celle qui fait tourner l'économie, celle qui crée la richesse. Et l'autre, celle qui profite du système. Si tout le monde ne fait pas d'efforts, vous savez, en France, on doit 2 000 milliards au monde. On doit 2 000 milliards au monde. Et le jour où l'histoire se répétera. Vous ne vous rappelez pas l'année 39, ça commençait comme ça. Et puis en Allemagne, vous savez, c'est aussi bien là, si en Allemagne, l'extrême droite passe, il vous coupe le robinet. C'est-à-dire que vous dire, les Français vous donnent plus d'argent en Europe. Et les 2 000 milliards, on sera bien obligé de les rembourser. Donc dites-vous bien que vous n'êtes pas seul au monde, que vous n'êtes pas privilégié, vous n'êtes pas en France. Il faut faire comme tout le monde, avoir un travail, même si c'est dur la vie, il faut travailler. Voilà. Moi je dis travailler. Voilà. Travailler,
s'occuper de soi et pas profiter du système. Voilà. Tout le monde a droit à ses chances en France. Tout le monde, je dis, il n'y a pas de discrimination, tout le monde a droit à ses chances. Mais ceux qui font de l'abus, c'est eux les coupables de ce qui va se passer dans notre histoire. Voilà. Donc, ceux qui font de l'abus, dans tous les domaines, ceux qui font de l'abus, ceux qui sont les coupables du déclin de la France et peut-être aussi d'une guerre civile ou si bien une guerre, une troisième guerre mondiale en Europe. Voilà, donc, voilà, je vous le dis. Merci, au revoir.